What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon ref. On se retrouve pour une vidéo rétro gaming Super ES 2015, les gars. Pro Evolution Soccer 2015. Ce jeu de foot là, franchement, je l'ai franchement validé. Hein. Si je le mets dans mes top 5 des meilleurs jeux de foot, les gars. Même si en 2015, t'avais FIFA 15, t'avais FIFA qui était quand même passé au-dessus avec le mode Ultimate Team, les licences des équipes et tout. Mais PES avait toujours la Champions League et pour moi, voilà, un jeu de foot, t'as la Champions League, t'as la Copa Libe et t'as la Copa Libertadores, c'est pas quand même à négliger. Et moi, franchement, vu que j'ai grandi avec PES et j'étais toujours encore attaché, les gars. J'étais toujours encore attaché, même si, voilà, FIFA commençait vraiment à vraiment prendre l'ascendant, les gars. Mais bon, on va jouer à ce jeu, les gars. Au niveau du menu, il était classique. Quand je dis classique, c'est que c'était un beau menu, quoi. Voilà, il était plutôt beau, plutôt cool. On avait pas mal de modes de jeu. On avait le mode My Club qui était, on va dire, le mode fut de PES, mais voilà, il était pas vraiment ouf. T'avais toujours la Ligue des Masters, t'avais vers une légende, ça c'était plutôt pas mal. Après, t'avais différentes coupes, Copa Sudamericana, je sais pas c'est quoi comme coupe les frères. T'avais la Copa Libertadores, t'avais l'UEFA Europa League, la Champions League Asiatique, la Champions League. Franchement, au niveau des modes de jeu, au niveau des compétitions, franchement, ce PES 2015 là, franchement. Pour moi, personnellement, je pense qu'il avait rien envie à un FIFA 15, le frère. En sachant qu'aussi FIFA 15, bon, moi, il était bien, mais c'était pas le FIFA qui va rester dans l'histoire, les gars. Et PES 2015, FIFA 15, est-ce qu'il y avait match? Franchement, pour moi, j'avais les deux jeux. Et pour vous dire, les frères, moi, pour moi, je pense qu'il y avait match. Je pense qu'il y avait match. Je pense qu'il y avait match. Dans cette vidéo, les amis, j'avais commencé une Champions League avec le Barça où j'avais déjà joué tous les matchs des phases de poule. Et du coup, bah, dans cette vidéo, on va terminer notre aventure, les frérots. On va voir si on va réussir à obtenir le titre de la Champions League avec le FC Barcelone, les gars, tout simplement. Au niveau de tout ce qui est compète, je vais vous montrer le groupe dans lequel j'étais. Il y avait AS Roma, Ajax, Anderlecht. On a fini premier à différence de but avec 13 points. Ouais, on a fait une défaite, un match nul. J'étais quand même chaud, les gars. Et au niveau des autres groupes, voilà, Zenit, London, Apple, Nicosie, Juventus, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern, Sporting, Atlético Madrid. Estrapao, je sais pas c'est quoi comme équipe ça les frères, en plus on les affronte. Et on avait Galatasaray, PSG qui sont passés les amis. Au niveau des phases à élimination directe, on a PSG, Apollon Nicosie, Estrapao, FC Barcelone, Sporting Zenit, Bayer Leverkusen, Manchester City, Juventus, Galatasaray, Chelsea, Bayern, AS Roma, Atlético Madrid, Schalke 04 face au Real de Madrid les amis. On va partir les gars pour le premier match. Les amis, ce Barça-là, les gars, ce Barça-là, les frères, en 2015, remporte la Champions League. On avait les amis de ce Barça-là. Vous savez très bien, la MSN, les gars, Neymar, Messi, Luis Suarez, les amis. Au niveau de la compo, les gars, j'ai plutôt joué avec Claudio Bravo dans les cages durant tous les matchs de poule. Au niveau de la défense, j'ai pas vraiment changé la compo, les frères. Mascherano, il est pas bon, on va le faire sortir. À la place, on va mettre Marc Bartra, les amis. Okay, hein, je pense qu'on est bon, les gars. On va partir sur cette compo-là. Et au niveau de la difficulté, les amis, j'ai mis niveau. Je crois que j'ai mis niveau professionnel, les frères. C'est le. L'avant-dernier niveau, les frères, au niveau de PES, au niveau professionnel. Franchement, ce jeu, les frères, je sais pas, mais pour moi, ça joue au foot, les frères, j'aime ce jeu. C'est pas facile de marquer, c'est compliqué, il faut construire ses actions, faut être solide défensivement. Après, en direct, là, on prend le ballon. Non!
Ouais, les gars, on s'est fait surprendre là. On s'est fait surprendre. Et deux, trois fois, on sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Iniesta. Ah, c'est dur, les gars. C'est dur, c'est dur. Hein. Bien joué la passe, mais non! Oh, le gardien, il fait un arrêt là! Le ballon sort en touche. Les gars, il faut égaliser là. Allez, Suarez. Xavi. C'est fermé. Iniesta. Iniesta! Bien vu, Iniesta! La passe de Xavi, les gars. Xavi, aujourd'hui, entraîneur du Barça. Elle capitaine, Xavi, fait une passe D. Maîtrise de balle. Tac. La passe pour Suarez, elle est fermée. On trouve ensuite Iniesta dans l'axe. Contrôle et plat du pied. Franchement, au niveau qualité de jeu, les gars, ce jeu, franchement... Pour moi, c'est... Il fait partie de l'un de mes meilleurs jeux de foot en vrai. Allez les gars, il faut faire quelque chose là. Allez Iniesta, c'est fermé. On rejoue derrière. Xavi. Oh. Et Messi. La Pulga. Messi. La Pulga. Messi. Franchement, les frères, c'est une dinguerie. Tac. Non, les frères, c'est réel. Quoi? De la vraie vie, Messi, il fait ça, frère. De la vraie vie, Messi, il est début comme ça. Iniesta. Alba. Elle passe. Elle sort. Et ce sera une remise en jeu. Ouais les gars, je pense qu'on va remporter ce premier match. Normalement les frères le remportent. Normalement. Allez, c'est bon les gars, on remporte notre premier match les frères. 2-1. C'était un match plutôt serré hein. Franchement, on a pris le premier but dans le match. On a su revenir, on a su égaliser et passer devant le score. Les amis, on se retrouve pour le match retour. La 8ème de finale. Dans le dernier match, on a gagné 2-1. Pour ce match-là, tranquille, on reçoit à domicile. Donc tranquille. Voilà, on va faire le taf, les gars. On va assurer notre qualification pour les demi-finales, tout simplement. Le match commence. Jordi Alba. Neymar, elle passe. Bien joué, elle est passée. Bien servi sur le côté. Allez Ney. Pourquoi pas? Oh, ouais, elle était contrée. La corner. Iniesta va chercher côté avec Alba. Alba, mission t'as vu, mais t'es fermé. Transversal. Tu l'as. Ah ouais, Daniel Vess, wesh. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Un but maintenant, ça serait pas mal. Gardien. Merci. Bonjour, bravo. Sur cette ballon oh, on n'arrive pas à poser le ballon. Place, mais la défense ne s'est pas laissé prendre. On joue ça, Alba. Jordi Alba. Dans le coup de la défense. On a beaucoup de pertes de balles. On a Yogo beaucoup Amado. De pertes de balles. Là. Balboa. Voilà, bien joué. Allez Messi, la Pulga. Allez Léo. Allez Léo. Il est passé. Allez Léo Messi. Allez Messi, la Pulga. Allez. Ah ouais, ça fait stopper. Bon les gars, on part à la mi-temps, 0 partout, franchement, c'est plutôt serré cette première période les gars, il est plutôt serré, les deux équipes s'observent, on n'arrive pas vraiment à se créer d'occasions super dangereuses, mais bon. Magnifique. Allez, Messi. La Pulga. Léo Messi. Il est passé. Léo Messi. La Pulga. Messi.
Messi. La Pulga. 8 fois ballon d'or, c'est pas pour rien. Même s'il y a certains ballons d'or, il y a discussion, mais quand même 8 fois ballon d'or. Ah les frères, ce Barça là, ça me fait mal, ça me fait mal au cœur. Quand je vois aujourd'hui, on galère à battre Naples. On se fait prendre des scores de ouf face à Riron, c'est n'importe quoi. Allez Xavi, allez faut marquer ce but là le frère, faut clore les débats. Neymar, crochet. Qu'est-ce qu'il va vous le faire Neymar. Le voilà servi. Messi. C'est pas fini. Ah ouais. Mais ouais les gars, c'est pas grave. Même si on s'impose 1-0, on se qualifie pour les quarts de finale les gars. Mais je vous dis la vérité les gars, ce jeu il est compliqué, il est pas facile. Pour marquer, il faut vraiment le faire et c'est super chaud. Ok les amis, au niveau des qualifiés pour les quarts de finale, on a le PSG qui s'est qualifié sans problème. Le Barça, ouais, on s'est qualifié avec deux matchs plutôt bien gérés. Le Zenit a battu le Sporting 3-0. Man City sont passés 3-0 face à Bayer Leverkusen sur l'ensemble des deux matchs. On a eu la Juve qui a éliminé Galatasaray. Chelsea qui est passé face au Bayern, les gars. Ça, par contre, c'est une grosse dinguerie. On a l'AS Roma qui est passé 5-0, score cumulé des deux matchs face à l'Atlético Madrid. Et on a le Real Madrid qui s'est fait éliminer par chaque 0-4 alors qu'ils avaient gagné le premier match 1-0 les frères. Ah c'est une dinguerie. Ah j'aurais aimé trop croiser le Real les gars dans la suite de la compétition, mais ce sera pas possible. Le Real s'est fait éliminer les frères par chaque 0-4. Ok. Les affiches des quarts de finale. On affronte la Juve, les gars. PSG, Zenit, AS Roma, Schalke, Man City, les amis, Chelsea. Ok, les gars. C'est parti pour le match. Barça, Juventus de Turin, les gars. Grégoire Margoton pour le match d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. On va essayer, les gars, de faire un bon match. Surtout ne pas encaisser de but. Parce qu'on est à l'extérieur. On a la différence, la règle des buts à l'extérieur qui compte les frères. Donc du coup, en face on aura Calor Stevens, on aura une bonne équipe. En sachant que les frères Juve Barça, c'était la finale de la Champions League 2015. Donc la Juve en 2015 avait vraiment une très bonne équipe les gars. Ils avaient vraiment une très bonne équipe, ils étaient tellement monstrueux les frères. Vas-y, tu l'as. Ah ouais. Bien vu, bien anticipé ça ma chère année. Il voit sa passe interceptée. Xavi, il y avait de Léo Messi, il faut marquer les frères. Suarez, MSN. MSN Neymar, non. Quelle occasion les frères. Allez Alba. Il peut y aller. Xavi. Ça doit faire but. Barcelone. Oh les frères, gros moment, gros temps fort du FC Barcelone les amis. On aurait dû marquer. Allez Neymar, tu l'as. Y'a faute là. Ah Liel joue bien les frères, il joue au foot. Oh ce jeu il était incroyable les amis, il était incroyable. Pour ceux qui l'ont pas fait les frères, vraiment vous avez raté quelque chose. Franchement vous avez raté quelque chose. Cherche la verticalité. Marquisio. Bien joué ça. Attention à cette passe. Les gars là faut pas prendre de but là. Pas prendre de but les frères. Bien joué ça ma chère Anneau. On ressort tranquillement. Bien. Allez Iniesta. On va chercher Neymar. Ah ouais. Première mi-temps 0-0 les amis. On s'est créé une grosse occasion. On aurait dû marquer. Mais bon. En face on a une très bonne équipe de la Juve. Et ça va être chaud les gars. Ça va être chaud. Passe pas, bien vu ça. Allez Alba, monte le ballon. T'es pas attaqué.
le terrain. Bien joué, ça. Un peu stérile. Non, mais je voulais jouer avec Xavi. Pourquoi tu joues avec Messi, là? Bien joué, capitaine. Capitaine, lâche la balle. Bien joué. Daniel Alves. Xavi. Xavi. Iniesta. Bien Iniesta. Joué, ça. Luis Suarez. Elle passe. Il joue dans la profondeur. Ouah, ils ont une très bonne défense et en face, frère. Ça défend bien en face, les frères. Ça défend bien en face. Allez, Messi. Allez, Messi. Léo Messi. Léo Messi. Léo Messi. Pourquoi pas Messi. Allez, Messi. Là, il faut faire la différence, loin, là, Messi. Jamais, allez, Léo. Vu la qualité de sa frappe. Allez, Léo Messi. Fais la différence, Messi, s'il te plaît. Allez, là, Pulga. On va chercher ce côté, là, Messi. Là, Messi. Là, là. Allez, Léo Messi. Ah, il part trop fort. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Et alors je non. Sergio Busquets. Mais non, Busquets, mais non. Bien récupéré ça, Busquets, bien récupéré. Allez, Iniesta. Joue avec Neymar. 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 Neymar Suarez. Luis Suarez, Neymar. La MSN. La MSN. La MSN. Oh, il y a pénalty. Bah oui, il y a pénalty, il m'a touché, frère. Bah ouais. Bah ouais. Il y a pénalty, le frère. Il a mis un petit point à Neymar. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai senti. J'ai voulu. Regardez, les frères, là. J'ai voulu tirer. Tac, il met un point à Neymar. On dit c'est une petite faute, mais c'est pénalty. Il y a pénalty, le frère. Il y a pénalty. Allez, Léo. Allez, Léo Messi. La Pulga. Ouais. Une petite frappe. En plein milieu, ça rentre, le frère. Oh, le calme. Alors, franchement, les gars, il fallait un pénalty pour marquer dans ce match. C'était trop chaud, les frères. Du bon côté, il va s'en vouloir sur ce coup-là. Par contre, Messi, il fait une toute petite frappe, genre en mode. Un tout petit pas, des petits pas, tac. Buffon, il a sauté comme un, je sais pas, il partait chercher quoi, frère. C'est trop compliqué. Bien joué, Piqué. Llorente, Pogba, Chiellini, le bon service. Tu l'as, bien vu. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Là, côté, magnifique, allez Messi, allez Léo Messi, Messi. La Pulga, allez Messi, le 1-2, là c'est bien joué, Messi. Ah oh, ouais, il y a Pirlo, il est revenu, frère. Encore quelques instants, ils pourront fêter cette victoire. Bien vu, Iniesta. Allez, Suarez, pourquoi pas le compter à l'abri, Neymar. Mais non. Allez frère, le match retour il va être chaud, hein. Le match retour il va être chaud à la Juve, hein, parce qu'on a gagné, on a marqué qu'un seul but. À la fin du temps additionnel. Mais au moins, le plus important, il faut terminer le match sans prendre de but, les frères. Chercher les résultats, c'est bientôt fini. Faut vraiment allez, se balance, balance devant. Non, tranquille, on se calme. Il reste encore du temps, pas que je balance devant. De on peut encore marquer un dernier but, les frères. On peut marquer un dernier but. Iniesta. Allez, Iniesta. Allez, pour Neymar. Bien joué. Allez, Neymar. La petite passe. Pour lui, Suarez. Pourquoi pas Suarez? Une très grande. Bon, les frères, là, on fait le taf. Objectif, on remporte le match 1-0. 100 points de but à domicile. Je pense que c'est la meilleure opération qu'on puisse faire, les frères, face à la Juve. Le match retour. Je pense pas que ça va être le match facile, mais on espère qu'on va faire le taf, les amis. On se retrouve les gars au Juventus Stadium les gars pour ce match retour les amis. Ça va être chaud les gars, faut rester solide. Déjà il faut marquer un but. Si on marque un but les frères, je pense qu'on est qualifié les frères. Parce qu'ils seront obligés de marquer 3 buts pour se qualifier. Non 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 non. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Oh, j'ai eu chaud, les frères. Alors, s'ils avaient marqué là, j'étais fini. Hein. Il va s'en vouloir. Pépé. Ah, les gars, là, la Juve, là, ils veulent pas blaguer avec moi. Hein. Là, je sens qu'ils sont bons là. Il enchaîne les dribbles. Non, 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 non. Bien joué, Piqué. Mais non. Oh les gars, ah ça va être chaud. Le match relancé, les deux équipes sont à égalité. Ah là 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 là.
J'avais dit les gars. Enfin, j'ai mal défendu, j'étais là, je sais pas ce que je voulais faire. Protège bien sa balle, il passe en deux de mes joueurs, il frappe, elle est contrée par Piqué, ensuite après amorti, frappe. Mon gardien il est battu, frère. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est masqué, la frappe elle est puissante. Ouais, le Barça il faut se réveiller hein, parce que là, il y a un partout là. Déjà en plus ce qui est bien, même s'il marque un deuxième but, si on marque un but, on est prêt à les qualifier. La règle des buts à l'extérieur les frères. Faut pas oublier ça. Luis Suarez. Allez Neymar. Le bon service. Llorente. Allez, passe pas. Mascherano, bien joué. Bien joué, ils vont pouvoir Oh, les mecs ils balancent des longs ballons devant. Ça me met grave en danger. Dans le dos de la défense. Allez, ça doit faire but. Oh là là, j'ai chaud là. Ah les frères là, c'était chaud sur moi le poteau. Ah vous imaginez elle rentrer. Allez Neymar. Allez Ney. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface. Est-ce que tu passes Neymar avec Suarez? Bien joué, Luis Suarez. On a vu Léo Messi. Allez Léo Messi. Allez Messi, mais qu'est-ce que t'as fait là, Léo Messi? Xavi. Bonucci. Llorente. Pirlo. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pff, ouais, les gars, on part à la mi-temps, on est mené à 0. Pour le moment, c'est chaud sur moi, ils ont eu une occasion, ils ont marqué, après ils ont eu un poteau. C'est chaud les frères. Allez, il passe. Allez, c'est pas grave. Bien, Barça. Non. Nista, tu dois la mettre celle-là. Buffon, il peut crier sur sa mais défense non. Et si vous voulez mon avis, il n'a pas tort. Ils ont laissé trop d'espace et ils le savent en plus. Voyons ce que va donner ce corner. Allez Xavi. Et la défense se donne de l'air. Ça va sur l'aile. Mais non. Xavi, il était bien hors jeu. Le mec il est resté derrière, remonte wesh. C'est chaud. Il joue dans la profondeur. Les gardiens, bien joué. C'est dégagé. Bon, les gars, je pense qu'on va faire, on va faire des changements parce que là, c'est un peu compliqué. Là, franchement, je vous avoue. Oh, les terrains, ils sont fatigués. Mais non, j'ai même pas mis les joueurs dans les grands placements qu'il fallait. Oh là là, les gars, c'est pas bon là. C'est pas bon. On va faire entrer Rafinha. Et ouais c'est tout. C'est bon. Le ballon s'en touche. Ça s'active sur le bord du terrain. On devrait assister à un changement. Ils ont pas mal tenté jusqu'ici, mais sans résultat. Peut-être que ce changement peut les aider à ouvrir le score. Sergio Busquets. Xavi. Allez Luis Suarez, allez Suarez. Luis Suarez. Oh, ça c'est bien parti, ça peut faire mal. Il va frapper. Neymar. Y'a faute là, mais non, y'a pas de faute. Tevez. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre. Non, là, bien joué ça. Si le score en reste là, on se dirige tout droit vers une prolongation. Allez, Neymar. Allez. Messi. Oh là là, mes joueurs ils sont pris sous pression les frères. C'est une dinguerie. Allez le Barça. C'est bien, on progresse. Allez, bien vu. Allez, Xavi pour Neymar. Oh, la passe en profondeur. Mais non, mais Neymar. Oh, oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Allez les gars, ça va être la dernière action de jeu. Le Barça, il faut faire la différence les frères. Il faut
centré. Oh, la grosse occasion. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi, c'est n'importe quoi les frères, on est tout ce qu'elle a fait là. Très peu de différence entre ces deux équipes, le résultat me paraît donc tout à fait logique. Les gars, prolongation les frères, les prolongations. Du moins à la fin de la deuxième période, car les deux équipes se sont neutralisées. J'avoue, c'est chaud, j'avoue, c'est chaud. Maintenant, la prolongation. Allez, allez, vas-y. Et le geste plein d'autorité. Oh là là, il s'est fait stopper, mon attaquant. Morata. Tevez. Ah, c'est bien joué, ça. Gardien, gardien. Le lob, l'inspiration. Oh là 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 là. Oh, j'ai chaud. Oh là là, j'ai chaud, les frères, les gars. Oh, le coup de tête. Ah, mais j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud, les frères. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Bah, écoutez, il a fait son match. Oh, les frères, j'ai chaud. Ah, cette occasion-là, j'ai eu chaud. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Il reste 5 petites allez, les gars, maintenant. Faut prendre la balle, faut marquer, les frères. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Sergio Busquets. Allez, Neymar. Non, elle va passer. Non, 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 non. Directement pour le gardien. Les gars, on ira au tir au but. Le coup de sifflet final, on se dirige vers les tirs au but. J'ai tout donné, les frères. J'ai tout donné. La suspense. Fin de la prolongation. Les tirs au but, maintenant, le suspense va durer jusqu'au bout. Le premier frappeur est prêt. C'est important de mener dans cette séance. Ils ont marqué. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Mais non, Neymar, mais non. Attention, ça peut leur permettre de faire le break. Bien joué, gardien. Parade magnifique du gardien. Et pourtant, c'est super bien frappé ce tir au but. C'est vraiment le gardien qui a parfaitement anticipé. C'est très bien tiré. La série a bien commencé pour les deux équipes. Bien joué, gardien. Bon arrêt magnifique du gardien, encore. Ah, mais il est excellent, ce gardien. Il est excellent et surtout très, très fort dans l'anticipation. Allez, Léo Messi. Allez, là, pour le gars. Merde. Oh, mais pourquoi ce penalty. Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il a vraiment eu les nerfs solides, ça n'était pas facile de la mettre. Regardez la facilité, c'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Bien joué, gardien! Peut-être que le penalty n'a pas été très très bien. Si on le met, les gars, on a gagné. C'est surtout le gardien qui fait un super arrêt. Et il y a peut-être la victoire. Allez, Xavi, allez, capitaine. Allez, capitaine Xavi, allez, capitaine, allez, capitaine. Allez, capitaine. S'il te plaît, capitaine. Le moment est venu pour le capitaine. S'il te plaît, capitaine. De montrer l'exemple. S'il te plaît. Oui. Il a marqué. C'est la fin du match. Oh, la grande aventure. Yes. Yes. Pour les demi-finales. Les gars, on l'a fait. Wow. Ah, c'était tendu. C'était tendu, wesh. C'était trop tendu. Ah, c'était tendu, les gars. C'était trop tendu. Franchement, c'était un match trop tendu. C'était trop chaud, les frères. Ah, mais c'était trop dur. Les gars, on l'a fait. On se qualifie pour les demi-finales, les héros. Les amis, au niveau des quarts de finale, on a battu la Juve. Le PSG, ils sont passés facile face aux élites. Schalke, ils ont battu le Real et ils ont aussi éliminé l'AS Roma. Et on a Chelsea, les gars, qui a éliminé Man City. On affronte qui, les gars, en demi? On affronte Schalke 04. Ça va, ça va. J'ai eu peur, les gars. Je pense. Franchement, là,
Chaque 0-4 ça va. Même s'ils ont battu le Real, même s'ils ont battu l'AS Roma. Ouais, on a le Barça, frère, le Barça, ça va passer, tu connais. Après PSG, Chelsea, que le meilleur gagne, mais franchement, je suis content de tirer chaque 0-4, les amis. C'est parti, les amis, pour le premier match de finale face à Chelsea 0-4, les amis. Les gars, là, on a deux matchs de la finale, les amis. Deux matchs de la finale, les amis. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré d'Arène d'Angleterre. Le match peut commencer. Allez le Barça, allez le Barça. Ah mais c'est quoi ça là? C'est quoi cette passe? En vrai ce jeu il est trop manuel. C'est vraiment dur, faut tout diriger. Les passes, les... Est-ce que tu fais une passe? Vous pouvez chercher le ballon, faut tout faire. Et Yann Ntola. Ouais, c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe? Sidney Sam, il a de l'espace. Ouf! Heureusement, le gardien, il reste pas le ballon. Bon centre bien repris, mais quelle présence du gardien. Tout était bon, le service, le timing. Ah, mais j'arrive pas à croire que ça ne soit pas dedans. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions. Neymar, elle passe. Il peut y aller. Une occasion. Ouais! Le but pour Barcelone! Léo Messi! J'avais dit, les gars, face à chaque 0-4, ça ne va pas être trop compliqué, tu vois. Ça ne va pas être trop compliqué. On est le Barça, ça, qu'est-ce que tu veux? En plus, la balle, elle traîne, Messi, il est là, comme par hasard, bam, il la récupère, il frappe. En plus, je fais. En plus, c'est lui qui est au départ d'action, les gars. C'est lui qui fait la déviation sur Iniesta. Iniesta, il essaie de trouver Neymar. Essaye de jouer avec Messi, les frères passent pas, mais après tac, le contre et bam, but. Messi au départ de l'action les frères et à la finition les frères. L'accélération. La frappe. Ouh. Oh, ça se joue à rien. Je pense Ntela. Ah c'est Draxler en plus les frères. C'est même pas Ntela. Ah c'est vrai, il y avait Draxler, il jouait. Il jouait à chaque 0-4 les frères Draxler, c'est vrai. Allez, ça peut faire mal. Les gardiens, bien vu. Du devant. Magnifique. Encore un quart d'heure avant la pause. Allez, Iniesta, allez, Iniesta, lâche ta balle. Allez. Ça joue long. Messi. Y'a faute là, non? Boateng. Y'a faute, les frères là. Ça, c'est une interception parfaite. Iniesta. Iniesta. Xavi. Il glisse le ballon en profondeur. Allez Neymar, tu l'as. Ah. Uchida, il repousse le danger pour le moment. Yann Ntola. C'est bien fait. Oh ça. là, ça part les gars. Allez Alves, reviens. Bien joué, ça a piqué. On ressort le ballon tranquillement. Il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Xavi. Dans 5 minutes, l'arbitre Suarez. Va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Xavi. On va jouer avec Iniesta. C'est fermé, on se calme. Fait tourner. Xavi. Bien vu, ah ouais. Yann Ntola. Non, capitaine. Bien revenu, Xavi. Luis Suarez. Il écarte, il joue sur l'aile. Daniel Alves, il est bien placé. Neymar. Et défensivement, c'est parfait. Oh les gars, on part à la mi-temps, mais là, 0, franchement, on a marqué contre le cours du jeu, je sais pas ce que ça veut dire. C'est même pas au cours du jeu, c'est contre le cours du jeu, parce que là, ce que je vois de la première mi-temps, c'est plutôt équilibré, les frères. Un seul petit but d'écart entre les deux terminaires. Allez, tac. Jordi Alba. On progresse. Y'a pas hors-jeu. Ça pue le Barça. Ça pue le Barça, les frères. Là, c'est bon, les frères, on est en finale. C'est bon. C'est bon, les frères. Ça pue le Barça, mec. Quel coup d'œil, quel toucher. Mec, c'est ça on dit Iniesta, Iniesta, ballon d'or, frère. Le mec méritait un ballon d'or, mais Messi, il a tout pris. Regardez la passe. Tac, Neymar, Messi, le petit lobe. Le gardien, il la touche, mais ça rentre quand même. Draxler.
Non, non, c'est pour cette passe, les frères, c'est pour cette passe. Allez, ça doit faire but. Oh, Clojo, bravo. On sort encore l'air. Ah ouais. Quel enchaînement avec cette frappe. Les gars, Clojo, bravo. Yann Puntola ne s'est pas posé des questions dès qu'il a reçu il le ballon. Là, il a voulu faire du sale. Allez, 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 piqué, tu l'as. Bien vu. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. On parle en contre, Allez le Barça, Ils n'ont pas encore on va terminer le match, c'est important. Allez, allez, vas-y, Neymar. Allez, Messi. La petite passe pour Suarez, elle passe. Dans le dos de la elle passe pour Neymar. Il a récupéré. Il écarte le jeu. Allez, piqué. Allez, Piqué, Outela, il passe pas, bien joué, Piqué. Bien joué, Gérard Piqué. Le ballon s'en touche. Ça bouge sur les bancs de touche, on devrait assister bientôt à un changement. Ils ont pas mal tenté jusqu'ici, mais sans résultat. Peut-être que ce changement peut les aider. On a pas, bien joué, Nesta. Allez, allez, on progresse, les frères. Allez, Neymar, démarque-toi. Tiens, je t'avais dit, Neymar. Je t'avais dit, le Barça. Non. Ah ouais. Normalement, il y a pénalty, mais c'est pas grave. Il y a faute, là, mais il m'empêche d'avancer. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Mon Piqué, qu'est-ce que t'as fait? Allez, viens. Faut pas qu'il centre. Il centre, c'est tendu. Heureusement. C'est trop fort. L'autre aile. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oh, l'interception. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Iniesta. Uchida. Iniesta qui est récompensé de son pressing. Neymar. Oh, la passe en profondeur. Allez, Ney. La tentative. Ah, il a failli en profiter. Il va falloir être précis. C'est joué court à deux. Luis Suarez. Centre travaillé dans la surface. Oh là là. Boateng. Les gars, on s'impose 2-0. On se met dans de très bonnes conditions. Pour aller, les gars, jouer cette finale, les frères. Le match retour, on va essayer de le gérer. Et si possible, le remporter, pourquoi pas. Mais en tout cas, on fait le taf, les gars, domicile. On y est, les gars, le match avant le grand match. Le match avant la finale, les frères. On a gagné 2-0 au match. Allez, là normalement tranquille, on est plutôt en bonne position les gars pour aller en finale les amis, tranquille, plutôt tranquille, faut le contrôler, faut le maîtriser, faut pas faire n'importe quoi. Et si on marque un but là direct, on est pas mal les frères. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. C'est bousculé un peu trop dans la surface là, difficile de réussir son tir dans ces conditions. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Il allonge. Attention à cette passe lobée. Non, les gars, on est bon, frérot. Neymar, comment tu peux laisser Neymar aussi seul dans une défense? Comment? Parce que Neymar, comme ça, il est seul, il est pas au marquage. Regardez les gars, Neymar, il était tout seul. Moi, j'ai vu, frère. Même toi, t'as dû le voir aussi. Il était tout seul, Neymar. J'ai vu ça, j'ai fait, mais Neymar, il est seul, frère. Tu lui donnes la passe. C'est punition. Punition, les frères. Punition. Allez. Iniesta. Bien joué, ça. Xavi. Messi. Non les gars, ça pue le foot les frères. Ce match il pue le foot les frères. Neymar, faut pas le laisser seul frère. J'ai le coup d'œil les gars. C'est le Barça. C'est ce qu'on veut. C'est ce Barça qu'on veut, Boros. C'est ça qu'on veut.
C'est ça qu'on veut en 2024, les frères. Mais il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi. C'est beau, les gars, c'est beau. C'est beau, tout ça. Xavi. Messi. La tête, attention. Il la repousse. Oh, il y a faute, là. Farfan, il joue dans la profondeur. Non, récupérer Busquets, oh, bon trop tacle. Fort. Allez Neymar, allez Neymar, allez Neymar, allez Neymar, allez Ney, allez Ney, Neymar. Allez Ney, oh, allez le Neymar. Qui accélère encore. Ouais. Iniesta. Ah les gars, le triple de Neymar, il va pas rentrer hein. Il tente de la jouer dans l'espace. Draxler, il a de l'espace. Bien joué, ça a piqué. On est là, et frère. On est là. Et on va aller en finale, les amis. C'était long, c'était chaud. Mais on est en finale, les gars. On est en finale. Doublé de Neymar. Dans le précédent match, doublé de Léo Messi. Le Barça en grande pompe. Le Barça, est prêt, les gars. On est prêt pour la finale. On est prêt. Bon les gars, on va affronter les gars les Blues de Chelsea en finale parce que le PSG a été sorti en demi-finale par les Blues de Chelsea les gars. Donc Barça, Chelsea, finale. Chelsea en 2015, est-ce qu'ils avaient une bonne équipe les gars? Franchement c'était pas mal, hein. Il y avait Hazard et tout. Diego Costa si je me trompe pas. Il y avait qui d'autre les gars? Il y avait Schürrle je crois. Mais bon, on verra bien les gars, on verra bien. Les gars, on se retrouve là pour la finale les frères. Pour la finale les frères. Les gars, on doit faire le taf. On est obligé de gagner. Là, il n'y a pas d'autres résultats qui puissent accepter. Hormis une victoire les frères. De l'UEFA Champions League. Chelsea. Ou plutôt London FC. On espère les amis faire un bon match. Tout simplement. À ce qu'on fasse, on a une très bonne équipe qui a quand même éliminé le PSG. En face, t'as Courtois. En face, t'as Diego Costa. T'as Ramirez. T'as Willian. T'as quand même de très bons joueurs, les frères. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Fais-moi rêver, s'il te plaît, Messi. Fais-moi rêver, s'il te plaît. C'est bon, on est prêt, les gars. On est prêt à faire le taf. On doit faire le taf, les frères. Le FC Barcelone est considéré par beaucoup d'amoureux du foot comme le club par excellence. Et ce qui est rare, ami anglais, c'est que ce sont les supporters qui sont propriétaires de ce club et qui le font vivre finalement. C'est une particularité. Le compo, elle est pas mal, les frères. Philippe Louis, Kyle et tout. Matic. Oh, 2015, ils avaient une bonne équipe, les frères. Nous, la compo classique, les gars. La compo classique, devant t'as Léo Messi, t'as Suarez, t'as Neymar, le terrain, légende, Iniesta, Busquets, Xavi, et la défense, Mascherano, Piqué, Alba et Dani Alves les amis. Et dans les cages, Claudio Bravo. C'est parti les gars, coup d'envoi donné par les Blues de Chelsea. Et c'est parti. Allez Neymar, pourquoi pas là Neymar. Ah ouais, m'a stoppé direct. Il remporte son duel. Diego Costa, c'est reparti, ils peuvent contrer. Bien joué ça. Allez, Iniesta. Allez. Hazard passe. Ah ouais. Quel timing dans l'interception. Le long dégagement du gardien. Allez Xavi. Allez Xavi. On va jouer avec. Neymar. Oh c'est chaud là. Il y avait hors jeu, c'est vrai. Là il y a hors jeu. Le temps d'arrêt de Messi a mis Neymar hors jeu, wesh. Le gardien loin devant. Voilà là, Messi, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait Léo Messi? Oh, il y avait danger mais il a bien jailli. Oh, il a mis ses joueurs dans le vent. On attend toujours le premier tir.
mais non, pas la passe pour Diego Costa, bien joué. Là, là, c'est le passé de passe, on était fini. Par contre, le mec, il est pressé haut, les gars. Hazard, il est passé, mais on a sorti le bail, il est là. Ils n'ont pas réussi à trouver de solution. Allez, allez, allez. Oui, mais le contrôle n'est pas bon, trop approximatif. Il perd le ballon. Bien joué, ça. Allez, Messi. Luis Suarez, on t'a vu. Il cherche à le servir. Oh là là. C'est bien repoussé, un peu d'oxygène. Oh, très bon ballon. Frappe. Oh là là. Il y avait quoi là? Il y avait hors-jeu. Il était hors-jeu. Oh là là. Messi. Oh là, il est passé, il est passé. Dans l'axe. Dans le dos. Oh là, oh là, oh là. William, bien servi sur le côté. Allez les gars, première corner pour les Blues de Chelsea, les gars. Faut bien gérer les gars sur premier corner. Parce que ils sont des bons joueurs de tête. Allez bien joué Piqué. Allez Piqué, sort le ballon, sort le ballon. Allez Messi. Messi. Et passé Messi, Neymar. Allez la passe pour Neymar s'il te plaît. Allez Ney. Allez Ney. Allez Ney. Allez Ney. Allez Ney. Neymar. Comme en 2015 les gars, Neymar il marque. Oh, c'était jamais facile les face à face avec le gardien, mais il est resté lucide. Ah, franchement j'ai cru que j'allais rater le face à face les frères. J'ai attendu au dernier moment pour tirer. Parce que là je vois Neymar il fait l'appel, tac. Messi la passe. Magnifique les gars, magnifique. Ah là là, passé Ivanovic, en tout cas au Philippe Luiz, il est dans le vent les frères. Et là, tac, Courtois il est barre dessus, plus rien fait les frères. Ivanovic. C'est joué loin devant. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, il faut bien gérer l'engagement, faut bien gérer l'engagement les frères. Hazard, il a de l'espace. Y a pas faute, y a pas faute, il a simulé là. Quoi? Le voilà averti. Carton là. Grand chose à redire. Mais j'ai rien fait. Ouais, juste une petite tape, c'est ça, c'est pas grave ça. L'arbitre met carton. Vas-y, il abuse l'arbitre. Pourquoi ils sont deux là frère, c'est pas normal. Pourquoi il est seul là? Wesh, il était seul devant. Il n'y a personne qui le prenait au marquage. C'est quoi ça? C'est trop fort. Ma défense, elle fait quoi là? Daniel Alves. Mais non les gars, il faut bien chercher le ballon qu'on fait la passe. Mascherano. Sergio Busquets. Iniesta. Terry. Cahill. Philippe. Jure-le. Bien joué ça. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Luis Suarez. Iniesta. Neymar. Pour trouver la faille dans la défense. Les gars, on part à la mi-temps, on mène à 0. Franchement, on a fait le plus dur, les gars. C'était de marquer le premier but de ce match. Là, on peut voir venir. On ne s'est pas créé des grosses occasions, les gars. Franchement, c'est super chaud de créer des occasions dans ce jeu. Parce que c'est... Ce jeu, les gars, pour marquer, il faut vraiment construire. Tu ne peux pas faire des dingueries, aller marquer, prendre un joueur, accélérer, faire de la vitesse. Ça passera pas. Il faut vraiment construire. Xavi. C'est vraiment ça. Il joue dans la profondeur. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. C'est dangereux, ça c'est dangereux. C'est passé. Bien vu, y'a pas faute, y'a pas faute. C'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe? Non, 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 non. C'est bien fait. Dans le coup de la défense. Franchement, là j'ai une peur. Neymar. Luis Suarez. Messi. Luis Suarez. Et le drapeau s'est levé. Ah, mes joueurs ils sont fatigués, c'est incroyable. Le long des gars, on est plus très long, les frères. On est plus très long, le Barça.
Bien vu Neymar. Xavi. Luis Suarez. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Une poignée de secondes, voilà ce qui les sépare de cette victoire. Ouais, le mec s'aligne trop bien en face, à chaque fois il y a un jeu. Diego Costa. Ramirez. Il choisit la base sur l'aile. Tu l'as. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Tranquille. L'arbitre consulte son chronomètre. Messi. Xavi. Luis Suarez. Les gars, c'est bon, on l'a fait, le frère. C'est bon, on l'a fait. Voilà, c'est terminé. On l'a fait, le frère. C'est bon. La meilleure équipe d'Europe, il remporte l'UEFA Champions League. Ah, c'était dur, les gars. C'était dur. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas. C'était dur, le frère. Ah ouais, c'était stylé, ça envoyait le gars qui écrivait et tout en plus. Les gars, on a reçu l'objectif. Wow. Désolé les Blues de Chelsea, vous avez bien joué, mais en face, voilà, t'avais le Barça 2015. Qu'est-ce que tu voulais faire de plus? C'était déjà écrit, les frères. Le match le plus dur, les gars, dans cette compétition, c'est un match que j'ai fait lors des matchs de poule. J'avais affronté l'Ajax, ça m'avait battu 1-0. Et ensuite, le second match le plus compliqué, c'est le match retour. Quart de finale, les amis, face à la Juve, c'était vraiment chaud. Je pensais vraiment que j'allais perdre le tir au but, les gars. Je pensais vraiment que j'allais perdre ce match. Oh, il y a Ter Stegen, il n'a pas joué durant toute la compétition, les frères, il soulève le trophée. Oh, les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va se retrouver pour une autre vidéo rétro et gaming, sur de Dieu, les gars. En tout cas, c'est fait un plaisir sur cette vidéo. J'ai grave kiffé, les gars, tous les matchs que j'ai fait, c'était totalement cool. Je retenterai, les gars, sur un autre jeu, un défi, pourquoi pas sur un autre jeu de foot. Avec pourquoi pas essayer de remporter la Champions League du genre suffit sur PES 14, FIFA 14, je crois que c'est PES 14, essayer de remporter la Champions League avec le Real Madrid parce que c'est eux qui l'ont remporté en 2014, ou bien pourquoi pas essayer de remporter avec Chelsea 2012, ou je sais pas, essayer de voir avec quel autre jeu je vais faire ce type d'objectif là, les gars, ou pourquoi pas se retrouver sur un autre jeu rétro gaming, je sais pas. Mais en tout cas, les frères, une chose est sûre, c'est que les anciens jeux, ils étaient totalement kiffants, les frères. C'était waouh, tu te dis ça, tu vois ça, tu vois les gameplays qu'on avait et tu te dis, mais quand même, franchement, il y a des choses, ouais, ça allait pas. Bon, tout ce qui est graphisme et tout, ouais, bon, aujourd'hui, t'as les FIFA, ils sont totalement beaux, t'as tout, pratiquement tous les gros stades d'Europe, et les graphismes sont beaux, les joueurs ils sont beaux, mais le gameplay n'y est pas. Alors que là, t'as un gameplay magnifique, mais. J'avais même oublié que le public c'était des cartons, que c'était même pas des. Ils étaient même pas bien modélisés, tellement le gameplay était intéressant, tellement je me concentrais plus à bien gérer mes matchs que de regarder tout ce qui entoure le stade. Les gars, c'était un kiff les frères. C'était un kiff. Essayez de rejouer, les gars, à vos anciens jeux de foot et vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Sur les roses, c'est tout. On se retrouve, comme j'ai dit, pour une prochaine vidéo rétro gaming. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de famille, la voix, c'est toujours positif dans la tête des roses. En ensemble, peace!